Leçon d'orthographe, les accents. Les accents sont des signes placés sur les voyelles pour modifier la prononciation ou pour différencier un homonyme. Les accents les plus courants sont l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe. Vient ensuite le tréma qui se place sur une voyelle et la cédille, c'est cédille qui se place sur une consonne. Les accents en français sont l'accent aigu comme dans et, l'accent grave comme dans et, a, u, l'accent circonflexe comme dans a, e, i, o, u. Le tréma comme dans E, I et U. La cédille comme dans C, cédille. Les trois accents sont, premièrement, l'accent aigu. Deuxièmement, l'accent grave. Troisièmement, l'accent circonflexe. L'accent aigu monte vers la droite, comme une fusée qui monte. L'accent grave descend vers la droite, comme une flèche qui descend. L'accent circonflexe est comme un chapeau sur la tête. L'accent aigu. L'accent aigu monte vers la droite, comme une fusée qui monte. Il s'emploie seulement sur le « et » et est impossible sur les autres voyelles. On ne trouve jamais l'accent aigu sur le « a » ou bien le « o » ou sur le « i » ou bien le « u » ou bien sur le « y ». C'est faux. Il s'emploie seulement sur la lettre « e ». L'accent aigu est un son fermé. Et. Exemple. Fusée. Vélo. Télé. L'accent grave. Comme une flèche qui descend vers la droite. Flèche. L'accent grave s'emploie sur le A, sur le E ou sur le U, mais jamais sur le O ou bien le I. On ne trouve jamais l'accent grave sur la lettre I ou bien la lettre O, c'est faux, ou la lettre Y. Il s'emploie seulement sur les lettres E et A et U. L'accent grave. L'accent grave est un son ouvert. Exemple, flèche, voilà, ou. Quand mettre l'accent grave? Règle numéro 1. Pour les mots se finissant par un S, lorsque celui-ci n'est pas la marque du pluriel. Exemple, après, congrès, prêt, progrès. Règle numéro 2. Pour les E précédant une syllabe contenant un E muet. Exemple, collège, fièrement. Règle numéro 3. Lorsque la deuxième lettre qui le suit, et soit un L ou un R. Exemple, le lièvre, la fièvre, le trèfle. L'accent circonflexe. Comme dans le mot tête. Comme un chapeau sur la tête.
L'accent circonflexe s'emploie sur toutes les voyelles. A, E, I, O et U, sauf le Y. On ne trouve jamais l'accent circonflexe sur la lettre Y. Mais on l'emploie sur la lettre E, la lettre A, la lettre U, la lettre O et I. L'accent circonflexe est un son ouvert. Et. Exemple, tête, âge, il, sur, impôt. Souvent, il remplace un S présent dans la langue latine. Comme dans l'exemple, une forêt. Il différencie des homonymes. Sur, qui veut dire au certain, ne pas la confondre avec le mot sûr. Attention! On ne met pas d'accent aigu lorsque la voyelle E est suivie de D, F ou R, ou si Z est la dernière lettre du mot. Exemple, une clé, pied. Né. On ne met jamais d'accent sur les voyelles E précédant un X. Exemple, un accent circonflexe, le sexe. On ne met jamais d'accent sur les voyelles E précédant des consonnes doubles. Exemple, une trompette, une étiquette.